Bonjour à tous et bienvenue à la revue des titres de ce vendredi 9 août 2024 sur Open Benin TV. On démarre avec le matinal. Faible taux d'exécution du budget communal 2023 à Abomey-Calavi, la secrétaire exécutive accusée. Ouverture et exploitation illégale de salles de fête en bâche, Tonato menace de sanctionner. Dynamisme Info annonce, animation de la vie politique au Bénin, opposant main dans le rôle de mouvancier. Animation de la vie politique, les démocrates, y a-t-il encore une opposition au Bénin? S'interroge le Soleil Bénin Info. L'informateur propose, campagne de sensibilisation et d'orientation des nouveaux bacheliers, voici la programmation nationale. L'événement précis à présent, démarche pour libérer Madougou et Aïvor, Azanaï dénonce l'approche inefficace de Yahi et Allié. Le Béninois libéré informe, ouverture et exploitation des salles de fête en bâche, le gouvernement rappelle à l'ordre les promoteurs et les populations. Pour abus de confiance, fraude, atteinte à l'honneur, à la probité et aux bonnes mœurs, le Moal Bénin suspend Philippe Mochor à Dagbe. FIDEPA 5 au Bénin Cotonou, capitale de la démocratie participative en Afrique, renseigne le Télégramme. On finit avec Matin Libre, grâce présidentielle, le silence des démocrates cache une insatisfaction. Grâce présidentielle, désengorgement des prisons, pourquoi le Bénin doit davantage mieux faire. Ce sera tout pour cette semaine. Merci de nous avoir suivis et bon week-end à tous.